Allô. Voici un petit tuto, c'est prêt. Alors, voilà. Ok, je vais continuer ce tunnel qui est compliqué à faire. Créatif, c'est pas mon fort. Du coup, alors je vais toutes ces lampes là, je vais les supprimer, j'en aurai pas besoin. En fait, voilà. Même celle-là, bon, je vais la mettre dans une calque nouveau que j'ai appelé Old. Voilà. Bienvenue à ceux qui arrivent. Alors, je vais activer bien sûr le screencast key. Voilà. Ok, donc cette collection-là, je vais la cacher. Ok, ce câble-là, je vais le. Le faire plus petit, mais alors donc l'idée en fait c'est que donc du coup je vais faire une animation le long de ce tunnel. En fait le tunnel est très long, du coup ça fait énormément de maillage, là, je suis à 66 000, c'est beaucoup trop. Donc je vais le portionner, donc ça veut dire que l'array je le limite à 10, pareil pour celui-là. Limite à 10. Alors lui, il me demande un peu plus. Voilà. Alors je vais mettre plutôt 21. Qu'est-ce que je dis? 19. Alors, on n'est pas pile poil, donc là ça mérite de agrandir. Donc là je vais faire GY. Alors je vais afficher l'array. GY. Alors, GY Shift pour aller tout doucement repérer la GY. Voilà. GY. Encore un peu de GY. Ouais, il est l'air pas mal. Voilà. Donc là, c'est la route. Ok. Donc, je vais faire une portion de route. Ce qui veut dire que celui-là, je vais du coup supprimer tout ça. Tout ce que j'ai fait là, je dégage. Ça, j'ai le en median point scalé. Scale. GY. Voilà. Et pour lui, hop. Celui-là, je dégage. Les lampes, donc pareil, fixed count, on va mettre pas 12 mais 5. Quoi que, mettre 3. On peut en mettre 3. L'idée, c'est de faire un tunnel, une portion de tunnel répétable, pour que derrière, ça soit le tunnel qui bouge. Alors, ça c'était le traveling de la caméra. Donc la caméra, elle va bouger bien sûr, mais pas le long du truc. Donc je peux supprimer ça. Une courbe légère. Donc celui-là, bon, je vais le virer pour l'instant. Ok. Et donc cette portion-là, je vais la supprimer. Et je vais extruder un truc de plus. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre des contrôleurs ici. Alors j'aurais aimé avoir un peu plus
longueur de tunnel. Donc on va en rajouter. Voilà, je suis à 5000. Ok, c'est pas mal. Donc là je vais aussi rajouter. Ce qui veut dire que en fait si je prends la courbe ici, je fais un. Je mets en vue de caméra et je fais scale. Alors, bizarrement. Alt-S, pardon, c'est Alt-S qu'il faut faire. Il y a un truc qui m'énerve, c'est la hauteur de la normale. Donc là je vais mettre 1. Shift texture sur the world. Ok, donc là si je fais Alt S, ça réduit vachement le tunnel. J'avais fait un track là-dessus, donc on va le virer. Track tout. Ouais. Il y a une focale à 28, on va mettre une limite de 20. Je vérifie ça. Les lumières, donc on peut faire des spots. Alors là j'ai un dessin d'un collègue à moi qui a conceptualisé le tunnel. Donc les lampes, ouais, alors je peux faire des lampes un peu plus travaillées, donc du genre mettre un petit bivel là-dessus là. CTRL B. Alors je déteste le bivel comme ça, alors peut-être que CTRL-E, bivel weight, lui il fera du meilleur boulot, je suis pas sûr, mais bon. Bivel weight. Niveau 2. Non, il n'arrive pas à faire des arrondis comme il faut. CTRL-E, bivel weight moins 1. Je vais faire un CTRL-B tout simplement. Que ce soit trop lourd. Ah, on voit que les bivelles sont très. Ah, je sais pas, je suis déçu des bivelles de Blender. C'est pas comme ça que je les voudrais. Il est régulier alors que c'est faux. Ça ne devrait pas être régulier d'un côté. Donc, je sais pas quoi faire en fait. Tellement que je suis emmerdé par cette. Donc je fais un CTRL-B, molette. S'il y en a un, c'est bien. 2, 3. Alors je mets un Shade Smooth, un Auto Smooth. 40. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les. M'énerve ces bivelles, hein. M'énerve vraiment, alors je vais enlever le. Celui qui pose problème. Voire même lui. CTRL-B. Ma distance. Et là, je refais un CTRL-B. Différent. Je veux pas qu'il soit équilibré dans le mauvais sens. Donc là, CTRL-B. Voilà. Et là, à partir de là, je peux. Bon, le reste, on s'en fout. Ça, c'est spécial, donc je supprime les doublons. C'est là qu'il y a des trucs qui sont un peu bizarres, mais je vais l'arranger. Join. Join. Hop, continue.
Join. Join. Voilà. Ok. W-shade-smooth, auto-smooth. Ah, 40, on met 40. Voilà. Donc ça, c'est un des spots. Je pense que je peux en mettre plusieurs. Donc on va décaler la distance à 3, en même 2, 2.5 et 1 de plus, voire même 2 de plus, non, 1 de plus. Il faudrait qu'il s'équilibre le long du chemin. Donc là, je vais faire 2,5. Je vais mettre 3. Ouais, 2, c'est pas mal. 2, c'est pas mal. Et là, il faut arriver à équilibrer le truc. Le mieux, ce serait d'avoir un point de symétrie ici, mais... Bon, voilà pour ça. Ok. Là, je vais faire un truc un peu violent. Dupliquer le tunnel. Tunnel base. Que je vais déplacer dans le calque hold. Et lui, qu'est-ce que je lui fais? Je l'applique. Tout doucement avec lui. Ah non, avant d'appliquer. Aïe aïe. Avant d'appliquer, il faut que je construise les détails. Donc il y a juste une truc comme ça à faire. On va le faire sur une des portions ici. Ctrl Shift B là. X Face. Donc là, il faudrait que je rende en carré ce truc-là. Donc c'est pas évident ce genre de détail. Carré ou alors rond. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un scale comme ça. Là, je vais faire un scale aussi. J'y. Scale. Voilà, donc là, je prends ça. F. Extrude. Et là, il y a une rotation qui s'effectue sur X. Ou alors, plutôt, au lieu de faire une rotation, on peut voir que la rotation, elle déforme les normales. On peut utiliser le shear, en fait, qui lui permet de garder les normales. Voilà. Ok, donc là, c'est une forme basique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper avec K, C, Z. Alors, Z, c'est pour la transparence. Et là, je vais joindre. 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 Ici, je vais faire... je vais joindre aussi. K. K. K Z C 1. Je supprime les doublons s'il y en a. Ici, je vais mettre un contrôle Edge Crease à 1. Pareil pour lui. Contrôle Edge Crease à 1. Ici, je vais faire un bel arrondi, donc scale. Y. Alors, je sais pas si le scale il a pas explosé. Ouais, c'est ce que je craignais. Scale Shift Z. Alors, G, Y. Ouais, là aussi, ça explose le. Ou GG. Scale Shift Z. Voilà. Donc là, j'ai fait des portions de. Hop.
Il n'y a pas de subdivision, du coup c'est très géométrique. Et bon, avec la vitesse, on va pas avoir grand-chose. Ok, donc ça c'est une des plaques. Une des ouvertures. Je vais en faire une carrée, tiens. Une carrée sur cette plaque-là. Ça changera un peu. Donc, un loop, un deuxième. Et là, je vais faire un contrôle B ici. Non. Ou alors je prends. Ah non. Ah, il faut que je fasse un deuxième loop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un loop ici. Bon, quitte à l'ajouter, autant faire un contrôle B ici. Et faire un marquage un peu long, un peu allongé. Monter celui-là. Là, je vais faire un contrôle E, pardon, Shift E, 1, extrude. Contrôle plus, contrôle E, Shift E. Ah, j'ai essayé de l'enregistrer ce raccourci. Ok, donc ça c'est un marquage un peu régulier. Ici, ce tuyau, j'aurais envie de le convertir. Donc là, je le redéplace un petit peu là. Bon, je le ferai après, ça, le plaquage. Ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir. Donc, il faut qu'il soit pas trop maillé. J'ai pas l'impression qu'il le soit de trop, donc ça va. 0,4, 4. Là, il y a 24. Si je mets 12, ce sera peut-être mieux. On voit, ouais, quoique 24, c'était pas mal. En plus de détails, je vais le dupliquer avant, le bouger dans le calque hold et le convertir, convert to mesh. Ok, donc après en vue de face, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, faire des chemins de câble ici, donc scale shift Y, scale shift Y, shift D, shift D, shift D. Là, on va se faire on va faire shift S curseur tout sélectif, shift A mesh plane. Z. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rails ou des fixations, scale Y, GY, faire une petite fixation EZ. Ici, ben, le fameux shear qui est vraiment très agréable, lui je mets à 1 entrée. Je reprends ça, EZ, Z, ou SketchZ 0. Une patte que je vais dupliquer ou mettre un petit array dessus. Un array de A10. Et là, je suis à 12 000, hein. Je suis vraiment hyper léger. Il faut pas trop en mettre non plus, hein. Là aussi, il faut bien régler le. Ah. Donc ça, c'est un tuyau. Ça. La plaque là, elle est. Ah. Je vais l'appeler fixation. Chemin. Le câble. Là, je vais prendre câble 1.00. Je vais bien renommer que ça soit propre. 1, 2, 3,
4. J'aurais dû remettre ça avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là c'est bon. Le chemin de câble, limite, il devrait être à l'envers, dans ce sens-là. Ok, bon, ça c'est cool. Maintenant, il faudrait que je fasse une ouverture dedans. Alors, chemin de câble, je pourrais même en rajouter des câbles. Si je duplique, j'en mets ici, peut-être inversé. Faire des détails de boucles aussi, ça peut être très intéressant. Comment faire ça? En mode sphérique ou smooth, c'est pas mal. Plutôt sphérique, j'ai bien visé en voulant faire ça comme ça. Voilà, sphérique, faut vraiment pas que le truc il bouge. Donc là, si j'en prends 1 sur 2, transparence, okay, pardon, il faut que j'arrive à 1, 2, 3. Merde, il est pas équilibré. Ah putain. Il n'est pas équilibré. Ah là là. Bon, ça fera des tant mieux, c'est pas grave. Donc je vais prendre tous les 3. 4 même. Donc après je prends lui. 4. Et là on va en mettre un là. Très déséquilibré même. Donc GZ, je vais rependouiller les non plus. Voilà. Alors lui, du coup, il aura moins de... On lui met 10, même beaucoup moins, 8. Quoique non, on lui en met 20, c'est qu'on lui met moins de 5. Et puis on va le faire à la main en fait, du coup je vais virer ça. 3. Là, je vais faire Shift D Y. Shift D Y. Shift D Y, pardon. Voilà. Shift D Y. Ces foutus câbles, il faut que je les joigne entre eux parce que j'en ai oublié un en plus. Voilà, je le virai. Alors, je vais du coup les rééditer un petit peu. Voilà, c'est bon. Scale Y, scale Y, je décale. Voilà.
Ok, ça c'est cool. On va ajouter la route. Alors, je crois que la route, elle était pas hyper bien calée. Donc, je vais la caler un peu plus correctement. Alors là, je fais GY Shift pour bien. GY Shift. On peut zoomer. Hein. Ah, je suis au bout. Shift. Bon. Ça mériterait alors d'ajouter un loop. Comme ça. Des loops. J'ai une portion très 13 000 points, je suis bien là. Je suis pas mal. Il faut faire ces bouches d'aération. Alors ça c'est la merde. Ah, je pourrais en mettre une ici par exemple. Ça, enfin ces accès là. Les bouches de sécurité, quoi. Donc les lampes fluo. Alors ça je trouve ça très intéressant de mettre en fluo. Vu que l'ambiance va être un peu. Donc je vais mettre shading ici. Émission. Prendre une couleur très très fluo. Truc comme ça. Bien péchu. Voilà, donc ça c'est une portion du tunnel. Ça fait combien de temps que j'ai 26 minutes. Oui, donc un accès, il faut que je fasse un accès au truc. Donc, pour faire l'accès, c'est pas si simple que ça. Il faudrait appliquer le maillage. Et bon, je vais encore faire bien attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer aussi pour les UV. Quand j'ai enlevé la route, je vais marquer ça pour le Marksim. Je vais marquer là aussi. Le Maxime, comme ça j'aurai des éléments dissociés. Contrôle Maxime. Maxime. Contrôle Maxime, celui-là je vais le virer. Le clear scene, je vais déplier ça. You unwrap celui-là. You unwrap. Ok, je pense que faut que bon que je refasse les UV, mais ça a l'air pas mal. Je pourrais même marquer les deux. Contrôle contrôle Maxime. Puis je ferai un clear sim s'il faut. Ah. Je vais le faire en une fois. Voilà. Ok. Celui-là, on pourrait le marquer ici, là, contrôle Maxime. J'aurais dû le faire avant parce que du coup j'ai plein de petits tuyaux qui. Ils vont pas pour le Maxime. Maxime. Le Maxime. Le Maxime. On peut le déplier ça. You unwrap. On pourrait même faire des. Comment dire? Des câbles un peu plus bas. Voilà. Là, je vais remonter. Tiens. Hop, je remonte un peu. Trop plus GZ. Hop. Là, je vais me rapprocher de cette zone-là.
et baisser par exemple celui-là. Sans la proportion d'édition. Bon, il faudrait une petite subdivision de surface. Mais... je préfère être léger. Jusque là. Ah, quelqu'un qui me parle. Pardon, j'ai pas vu. Pourquoi dans cette configuration tu ne démultiplies pas les câbles comme les supports de câbles? Alors je sais pas si j'ai bien compris, mais alors, en mettre un peu plus en fait, ouais, pourquoi pas démultiplier. Alors, ouais. Ah oui, alors du coup, en fait, mon idée, c'est pour expliquer un petit peu le truc, c'est que je vais faire un tunnel. En fait, où je pourrais déformer le tunnel lui-même. En fait. Donc, en gros, la voiture va être statique et le tunnel va bouger du genre comme ça. Voilà. Alors je sais pas si j'y réponds à la question, mais ouais, désolé pour le retard, j'ai pas vu le message, j'étais concentré. Si t'es toujours là, ben alors démultiplier, oui, je pourrais en rajouter, hein. Je pourrais en rajouter. Ouais. Après, bon, je vais voir. Alors ça sera une portion. Il y aura quatre portions. Donc en gros, je vais faire une portion. Alors c'est le panneau. Je vais prendre la notation. Non. Edit. Je pense pas d'edit. C'est view. La notation. View. En gros, il y aura une portion. Et là, il y aura une autre portion et une autre portion ici et une autre portion, 4 éléments. Ça, j'ai vu ça sur un tuto de Zacharias qui est très intéressant. Et voilà, du coup 4 portions de tunnel. Ouais, alors je vais cacher la note. En gros, ouais, c'est pour du coup faire un tunnel, un seul tunnel, un tunnel en quatre portions. Ça va pas être facile le truc, hein. ça va être compliqué quand même, mais bon, parce que là si on fait une courbure, on voit que les câbles ne suivent pas. Du coup, ça veut dire que je vais ajouter un modifier curve. Donc là, je l'ai appelé comment ? Chemin tunnel. Donc là, je vais, hop, chemin tunnel en Y. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc là, je vais prendre tout cela. Ctrl L, link, copie modifier. Limite les deux aussi là. Copie modifier. Il faut que ça. Du coup, ouais, j'en suis là. Ouais, je me rends compte que la plaque, elle va pas assez loin. Mais... alors, du coup, je vais éditer ça, je vais le remettre sur X. Celui-là, ouais. Alors c'est vrai que je pourrais, le coup de la démultiplication, je pourrais en ajouter un peu plus, c'est l'idée, plus de problème de normal d'ailleurs sur le... Alors lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a un curve, mais... ah, j'ai fait péter la raie, ouais, quel con. Bon,
Ouais, si je vais le mettre en high et le remonter, hop, le mettre, on va vérifier, hop, pas dans ce sens. C'est vrai que moins j'ai de maillage, mieux je me porte. J'ai pas envie d'en mettre des millions. En gros, c'est. On va mettre 12. C'est vrai que je peux démultiplier le nombre. J'avais complètement oublié de. Ouais, ok. Du coup, là, si je courbe le tunnel. Ah, c'est pas mal, ça a bien fakeé le truc là, je pense. Et encore, c'est trop. Comment dire? Faudra que je réduise le tunnel là, pour vraiment avoir la sensation de vitesse et de tunnel au loin, quoi. Bon, si je tourne dans ce sens, je mettrai ma caméra dans ce sens. Ça, c'est pas évident. Voilà, SX0. Du coup, je vais extruder ici sur Y. Ah, on voit que. Ah non, je vais le faire après. C'est un peu chaud hein, ce genre de détails. Alors, je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler Portion. Et je vais tout mettre dedans, excepté le chemin. Et la Suzanne. Si je peux pas créer une portion en shifter ce curseur pour voir l'origine et faire shift A, parce que bon, là ça fait une portion de tunnel, donc si je fais shift à collection portion, donc j'en ai une, je déplace sur Y, ça c'est, je ferai ça quand ça sera fini en fait. Là, on peut voir que si je déplace celui-là, ça va, ouais, ça va se couper. C'est vraiment une fois fini. À moins de faire un arrêt de chaque, mais bon. Je veux une portion. Par contre, ouais, c'est un petit peu tordu. Mes quatre portions, faudrait qu'elles soient indépendantes et qu'elles suivent la courbe. On va faire ça. La canalisation, j'aurais bien mis un petit cerclage autour. Ça n'empêche de faire ça. Je vais remettre en smooth Shift D. E scale sur la proportion contrôle scale pardon contrôle plus un extrude contrôle et sélection. Là pareil, je vais mettre un double échelle de smooth avec un petit auto smooth et je vais lui mettre un array avant le truc. Voilà, on va mettre 50.
5. Ah, quoique 50, c'est pas mal. Ok, alors là je vais mettre les petits spots, tiens, j'y ai pas pensé, balise métrique, ça c'est intéressant. Du coup, je vais commencer à créer un cercle, mesh, circle. Le cercle, on va le mettre 8. Allez, 12, j'en mets 12. Alors 6. Ah, si, c'est juste. Je vais en mettre 8, pas plus. Je réduis, je ferme, j'extrude. Alors, j'extrude hyper plat. Faut que ce soit hyper plat, en fait, le truc. Après, ça se suit trop. Donc, inset, ici. Shift S, curseur tout selected. Inset, GZ. Inset, GZ, scale. X face, CTRL F grid fill, ici des marquages en crise, pardon, ici CTRL E maxim, W sheet smooth, bon, on peut pas faire plus léger que ça, à 41. Avec le flou, on verra pas grand chose non plus. Donc, hop, 3. Là, je vais mettre en matériau un métal. Et je vais ajouter. Je pense. Ah, il galère un peu avec les matériaux. Chiant ça. Une sorte de lag violent. Sauvegarder d'ailleurs. On pourrait mettre une couleur triangulaire dans les violets. Quoi. Sûr que ça soit bien. Je les rose un peu. Je voudrais faire une triade en fait. Mais... voilà. Un petit... comme ça. Ça sera pas mal. Ah merde! Il faut que ça soit une deuxième. Donc ça c'est plutôt balise métrique. Donc... ah. Dissocier balise. Voir ce que ça donne, hein, c'est pas final. Avec la texture, ce que ça peut donner. Alors la route, j'ai un truc qui va bien aller. Alors je vais vérifier quand même que la route, pareil, va bien jusqu'au bout. Je crois qu'il est... bizarrement, j'arrive pas à le caler mieux que ça. Bon. Je vais dupliquer, bouger ça sur Hold, appliquer le array, faire donc là dans la route, je vais ajouter une texture, image texture, je vais chercher la texture, c'est route. Là je vais dissocier l'écran, afficher la route, U project from view bounce,
Voilà, ça commence à être sympa. Alors le rose, je suis pas convaincu, mais au pire, je le fake et je remets la mission. Alors, il est beaucoup trop gros. Je diminue en taille. Et là, on va le mettre tous les mètres. Donc, un arrêt. Tous les mètres. Donc, facteur 1, pourquoi pas. Ah, bizarrement, c'est pas des mètres. Alors, est-ce que j'ai appliqué le scale? Ouais. C'est pas des mètres du tout. Donc, je vais mettre 0 et là, je vais mettre 10. Du coup, je suis à 4 mètres. 5, 2 mètres. Alors, tous les mètres, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Je vais les mettre tous les 3 mètres. J'en crée un max. Je vais le déplacer sur Y. Je vais ajouter un mirror pour voir. Mirror sur Y. Ok. Et je vais mettre un petit peu plus. Donc je vais mettre 16. 15,8. Allez, 15,6. C'est pas mal ça. Je vais faire le mirror. Ok. Les plaques, il faudra que je les texture un peu mieux. Parce que la texture me plaît pas. Ici, ça pourrait être du câble en plastique. Donc je vais à peine un câble en plastique noir. Donc, vais chercher un matériau. Voilà. Donc je sais plus lesquels je disais, je crois que c'est cela. Plastique noir. Contrôle link matériau. Contrôle link matériau. Là, je suis avec un matcap. Ici, je vais mettre un file à peine. Mettre de métal. Hop, je prends. C'est. Ah, je vais pas le choper. Je vais mettre du métal. Contrôle L link matériel. Voilà. Et pareil pour lui. C'est un peu lourd à calculer des fois les matériaux. Là, il y a une sorte de lag sur la 2. Je crois que ça n'a pas changé d'ailleurs. Vais voir les orphan data. Ici, je mettrais bien de Linux, file à peine Linux. Je vais mettre de Linux. Voilà. Et voilà, du coup, ça me semble pas mal. Donc j'ai fait une portion et maintenant il faut que je fasse le. Ça fait 49 minutes. Il faut que je fasse l'ouverture ici. Une ouverture à un endroit peut-être un peu décalé, genre ici. Donc là ça implique de casser le maillage. Donc là je réaffiche Hold et je prends le tunnel base. On va le laisser. Je reduplique.
tunnel base 2 move hold. Ah, il y a un rig layer qui... Je vais le virer celui-là. Et là je vais c'est quoi ce cercle? Ah, ça c'est les balises. Voilà. Et un métal là. Faudrait que je vérifie l'erreur qu'il y a. Ok. Ah voilà, c'est sûr. Il faut que je supprime ça. Faire un revert, je sais pas si ça va casser le stream, je sais pas. Ok, voilà. Ah, mais c'est le c'est deux scripts là qui sont restés dans le... Ouais, faut que je corrige ça aussi. Ok, pour la portion, bon, j'applique maintenant. Être un peu violent, je vais quand même vérifier, voir les détails, si je peux pas faire quelque chose de plus. Je ferai au pire en texture, c'est pas grave. Donc j'applique. J'applique le premier array, la première courbe. Le miroir. Le deuxième array et celui-là on vire pour l'instant. Voilà, donc là c'est bien appliqué. Donc ce que je vais faire, c'est je vais me mettre en vue de profil, je vais ajouter ici un cercle. Mesh circle, mais plutôt 32, ça fait un peu beaucoup. 16 et Y90. Je vais le déplacer comme ça. Ok. Je suis en mode caméra. Alors, est-ce qu'il est bien placé? Ça a l'air pas mal. Donc là, je vais mettre une perspective plus grosse. 20. 20, c'est peut-être un peu beaucoup, 36. Hein. Voilà. Donc là, je vais me mettre en vue de profil et faire en mode face. Faire G, G, contrôle. Alors ça, ça. Je vais enlever la texture. Là. Alors, je vais le rapprocher sur X comme ça. Ah, mais j'étais pas dans le bon sens. 3. Voilà. Là, je peux le plaquer. G, contrôle. Ah, bizarrement, ça le met pas. J'ai contrôle. Ah, c'est qui? C'est active closest. Non plus. Ah, project. Ah, c'est project individuel élément. J'ai contrôle. Voilà. Donc là, je vais faire F I pour un inset.
X-Face. Un extrude. Ok, qui est normal. Un Shift 1. J'ai ajouté une subdivision de surface en autosmooth. Là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est déplacer ça sur X. X-Face. Par contre, faut découper là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celui-là. Shift-D, P sélection. Je vais le joindre à lui. Je le sélectionne, je fais CTRL 1, 3. C'est 3 ou non, c'est CTRL 3. J'ai CTRL. Ah, je vais pouvoir cacher peut-être lui. C'est accès. C'est là qu'il faut supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, évident, évident, ce genre de truc. Voilà. J'appuie sur celui-là. Maintenant, je bouche les trous. Ah, quoique. Après, il faut reboucher les trous. Donc là, je vais fermer ça. J'aurais dû mettre 32 peut-être. Le truc casse-couille à gérer. Hop, voilà. Il faut vraiment pas me le. Un booléen en fait en mode manuel. Ah, il y avait des vertices en trop. Ça le fait, je vais dégoûter parce que. Ouais, il va y avoir un gros problème. Merde. Heureusement que j'ai dupliqué, hein, parce que.
C'est genre de situation casse-couille, je vais prendre le hold. Base 2 que je veux. Je vais virer la route. Il y a un gros problème. Je sais pas où, mais là. Non, attends, non. Pourtant, j'ai pas fait d'erreur. C'est que je comprends pas. Il doit y avoir une erreur quelque part. Putain, là, il y en a une. C'est l'axe. Non, je vois pas d'erreur tant que ça. Je vais afficher le tunnel. Bizarre. Mais... Peut-être qu'en supprimant les doublons, il a fait de la merde, je sais pas. C'est là le problème. Ah. Ouais, gros problème. Si je mets un... Si je duplique sur Y, là il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Ah. Non, ça s'emboîte bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être les doublons qui ont... Ici, il a mis une face. Ou des edges en plus. Ah, c'est en supprimant les doublons qu'il y a eu un problème. J'ai... Putain, c'est fou. J'essaie de le plus rigoureux possible, mais... Même ça, ça pose problème. Si je fais Shift des X, peut-être dans l'autre sens, que ça pose problème. Ah! Je suis bien calé là. Waouh, le perte de temps 64 minutes. Waouh. Alors je vais y aller tout doucement. Y aller tout ça. Toutes les rails qui.
J'applique. En appliquer, on va le dupliquer. Alors, si j'applique lui, ici, pas de doublon. Alors qu'il devrait y en avoir des doublons. Ah non, il y a le merge qui a fait son boulot. Ok, donc là, j'applique ici. Pas de doublon. J'applique le mirror. Pas de doublon. C'est là que ça pose problème. J'applique la longueur. Ah, il n'y avait pas le merge. J'applique ici. Pas de doublon. Pas de problème là. Je réaffiche l'accès. C'est le base 2 que j'ai du coup dupliqué. Peut-être falloir le refaire. Et ouais, mais il y a toujours cet edge là. Putain, c'est fou ça. Attends, il n'y est pas. Pourquoi ça fait ça? C'est le miroir qui fait ça. Alors. Donc là, il y a un truc qui va pas. Ah ouais, putain. Pourquoi il a mis ce truc là? Alors c'est moi qui ai fait l'erreur, hein. Ça c'est sûr, c'est une erreur humaine. Lui aussi, donc je vais le redupliquer lui. Donc je vais vérifier, donc j'enlève un par un les éléments. Là on peut voir qu'il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Oh là là là, le drame. J'ai compris. Et oui, vu que là il n'y a rien, il faut que je coupe. Là. Je coupe. Putain, le con. C'est toujours une erreur humaine. C'est Z. Donc je coupe. Ah, le con. X vertice. Shift E. 1. Là, ça ira beaucoup mieux. Ok. Parfait. Donc je. Hop, 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 hop. Je duplique encore une fois dans le hold. Bien dernier. Du coup, le base 2, je vais le virer. Lui, je vais l'appeler tunnel new. Et ben, je pensais être rigoureux et je fais toujours des erreurs. Donc là, j'applique un par un le cube. Le l'arrêt, le cure, le mirror. Le hop, et lui je deviens. Alors, il supprime des doublons. Je sais pas pourquoi. Mais bon. Pourquoi pas. Ah. Ah non, mais il y a un problème.
J'ai perdu. Ah. Oh. J'ai perdu mes. Oh le con. Ah! C'est le tunnel base 2 qui. Waouh! Ah bah heureusement que je garde un petit peu là. Et hop. Là je vais prendre le tunnel. Ah le truc le con. Donc je le duplique et je le bouge sur le quelques tunnels ici. Lui. Ok, donc je peux enlever hold. Je supprime ça. K CZ X Edge Shift E 1. Ok. Je vais dupliquer ça. Bouger sur hold. Ça vaut le coup de dupliquer. Voilà. Donc là, ça devrait aller mieux. Donc, j'applique le premier. J'applique la cure. J'applique le mirror. Et j'applique lui. Il y a des doublons quand même. C'est pas top du tout. Putain. Bon, je vais y prendre un par un. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça? C'est quand j'ajoute le celui-là qui pose problème. Je vais lui mettre un 40, voire 50. Bon. Je vois pas où est le problème, mais alors ça sera vraiment le dernier truc que je fais. 112 minutes là, c'est hallucinant quand on quand il y a un bug. Que j'ai provoqué d'ailleurs, ça perturbe. Du coup, le merge, voilà, le merge est peut-être trop fort. Je vais réduire le merge. Lui, il n'y a pas de merge, j'en mets un. Au millimètre. Donc, je sauvegarde, je duplique. Je bouge dans le calcul hold, j'applique lui, et j'applique lui. Zéro vertice, voilà, c'est ce que je voulais. Ok, on va y arriver. Ouais. J'affiche l'accès, donc l'accès aussi doit être là-dedans. Donc dans l'accès, je reprends. Les vertex ici, je dissocie et je joins avec le tunnel. Ensuite, je cache l'accès, pourquoi pas. Je prends ça et je plaque. Alors, limite, si on avait plus, ça serait presque mieux. Mais bon, on va le faire comme ça. Ctrl 3. J'ai contrôle. Voilà, ça permet de plaquer le truc. Et là, je supprime, comme je faisais tout à l'heure. Je supprime à l'intérieur. X vertice. Voilà.
Donc j'avais bien commencé, il fallait que je refasse tout à cause de ces erreurs. On fait toujours des erreurs. Donc là, je ferme ici, je ferme comme ça. L'erreur était énorme, mais on n'a plus d'un qui serait fait avoir, je pense. Il n'y a plus de problème. Pour le bridge edge loops. Je vais ajouter un loop là. Hop. Fermer ça. J'ai fermé avant. Ah, il y a un bug encore. Ouh, bon, il n'est pas si grave, mais tant pis pour le bug. Il n'est pas trop grave. Ok, c'est pas évident. Hein. Hop, hop, hop. 3. Je vais y arriver. Merde, Jetlast. Fais le tour. Hein. C'est du booléen manuel, ça. Il y en a plein qui se diraient, mais pourquoi faire du booléen manuel? Je préfère, ça permet d'être contrôlé un peu mieux ce qu'on fait quand même. Surtout en maillage. Puis je peux faire des UV plutôt intéressants. Et là, le dernier. Pas forcément le dernier. Je vais surtout remonter ça. Ça. Voilà. Ok. Donc là, j'ai fait un gros trou dedans. Je balance l'accès. Et voilà, c'est pas mal. Il faudrait que j'en fasse un deuxième de l'autre côté. Ça mériterait de faire de la bonne triche. Je vais la faire. Il me reste pas grand chose. 119, je suis pas loin de la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un bloc. Donc un bloc, ça veut dire ce genre de truc. Alors, je vais me mettre en perspective et je récupère un bloc. Un bloc d'éléments. Alors la perspective, on la met
moins fort, 150. Ah mais non, il me faut quand même une perspective. Et là, on récupère une portion. J'essaie de bien la sélectionner comme il faut. Une portion. Une portion qui descend là, qui va là. Ça, ça. Ça, ça, ça. Hop, voilà. Hop. Là, j'ai une portion. Donc, Shift S, curseur to world origin. Shift D. 3D curseur, scale X, moins 1. Donc, c'est une transformation, ça, ça s'appelle. Et je vais le décaler par là. Ouais, par là, par là. Voilà. Donc, là, on va vérifier qu'on est sur le. Bonne portion, donc là ça serait plutôt ici. Alors pour faire ça, on peut prendre par exemple ce point, faire CTRL SHIFT TAB active, et là je vais faire GY. Ouais, marche pas. Pas par rapport à une face, par rapport à un vertex. Y, et là je suis plaqué. Par contre, je dissocie et je supprime toute la surface qui concerne le truc. Hop. On le voit avec les petits artefacts qui ont été corrigés, je crois, sur la 3.2. Voilà, voilà, voilà. Ça, je corrige, je prends. Ensuite, je prends cette portion-là. Je monte. Je prends ça. Je descends. Ça, c'est bon. Il faut que je prenne aussi la surface en haut, celle-là. Et là, normalement, je fais X face, CTRL J, supprimer les doublons, et ça me fait une deuxième porte. Je recalcule les normales. Ok. Alors, la normale est à l'envers, donc je fais Alt N, flip. Donc là, lui, donc facile, Shift D. Ah, quoi que j'aurais pu faire mieux. Point virgule 3D curseur, Shift D, S, X, moins 1, G, Y. G, Y. Voilà. Ok, donc là on a une portion de tunnel assez agréable. Lui et lui et lui compte. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une curve à chaque. Peut-être qu'on peut prendre. Oui, voilà, CTRL L. Copie modifier. CTRL L, copie modifier. Et lui. Il aura un modifier curve en Y. Voilà, j'affiche la route et puis le tour est joué en théorie. Je fiche les textures. C'est pas super propre. En mode matériel. Voilà. Donc là, l'idée maintenant, ce sera de prendre ça et de pouvoir faire bouger le tunnel. Lui, il faut que je réactive le. Ah, j'ai oublié de mettre la. Donc là, je peux scaler, donc si je fais ATS, voilà, ça c'est du tunnel paramétrable, assez intéressant. On aurait pu faire ça avec Geometry Node, mais vu que je vais utiliser LuxCore, on va pouvoir, donc, il y a X par exemple, faire une montée aussi.
Cool. Voilà la portion. Donc on peut faire par exemple une rotation comme ça, un angle très fort. Là on se retrouve dans un tunnel, on a l'impression qu'il est long, on voit pas le bout presque. Bon petit virage. Et voilà. Ok. Bon ben voilà le tunnel modifié. J'espère que j'ai répondu à Monsieur Snorvas. J'ai créé plus de support. Normalement, bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer d'améliorer le truc. Bon, pour moi, je pense que j'en suis. J'ai bien amélioré le tunnel avec des bouches d'accès ronde. Ah, c'est pas mal, je suis assez content de ce truc là. Donc là, si je mets par exemple une perspective à 20, ouais, voilà, avec une perspective à 20, si je me mets de l'autre côté, je verrai pas le bout du tunnel. Voilà. Et du coup, ça fera une sensation de vitesse intéressante. Bon, je vais stopper là. T'as 86 minutes, pas mal quand même. Et ben, à une prochaine. Désolé d'avoir pas vu le message plus tôt, monsieur Sforbas. Mais j'ai pas vu, j'étais concentré. Voilà, ben. Et ben, bientôt je vais faire les matériaux. Je vous passerai l'étape des matériaux parce que bon, il y a des options, enfin plein de réglages à faire. Et je vais passer ça. Par contre, je vais passer aussi le développement des portions. Et après, ben, je vais plaquer les éléments et commencer à animer. Voilà. Bon, ben, à une prochaine. Ciao.